Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, ça va être sur ce géant rage Zappy, complètement what the fuck, avec une pompe, un sorcier, un prince ténébreux. Vraiment que des cartes qui sont pas jouées dans la méta. Même la horde on la voit pas trop, le gang on le voit, mais à part ça toutes les autres cartes on les voit pas tant que ça. Du coup, je suis actuellement à 5998, record de saison, je suis à 6098, donc j'ai perdu 100 trophées, c'est pas très grave. Je suis actuellement à 1465 dans le monde. Donc la saison finit dans 4 jours. Je vais pas pouvoir faire la fin de saison malheureusement, parce qu'on est en pleine CRL et je rentre chez moi quelques jours. Et du coup, je pourrais pas push, je vais en profiter pour passer le temps avec ma famille, etc. etc. Donc du coup, je vous prépare cette vidéo. C'est parti! Ok, donc première game contre un joueur chinois, coréen je dirais. Contre un joueur coréen d'un clan coréen, donc je vais éviter de le prononcer. Je sais absolument pas comment faire. Donc j'ai un prince ténébreux, une horde de gargouille, un gang et un Zappy. Je vais sûrement cycler en commençant avec un petit gang de gobelins dans le fond pour voir ce qu'il fait. Ok, il part avec ça. Je vais mettre un sorcier pour aller tuer ce dragon. Hop, je vais le mettre ici pour essayer de pas me faire splash la tour. Ok, je vais mettre mon prince ténébreux pour défendre son géant. Ok. Je vais pouvoir mettre ma pompe vu qu'il a juste sa boule de feu. Le sorcier qui fait un bon taf vu qu'il a pas zap. Le sorcier qui est en train de tout nettoyer avec ce prince ténébreux, c'est parfait. Ah, vraiment une... très très bien pour le coup. Du coup, géant, horde, pompe et zappy. Je vais mettre une pompe tranquillement pour essayer de construire un avantage. J'espère qu'il a pas de mineur. Ok, il part avec un cimetière. Je vais juste mettre une horde de gargouille en espérant qu'il a pas de gel. Et qu'il ait pas de gel. Du coup. Par contre là il a mis beaucoup d'élixir. Les flèches elles étaient sûrement en trop. Du coup là j'ai un avantage en élixir juste gigantesque. Je vais essayer de construire une bonne attaque. Donc j'ai parti avec mon géant. Avec mon zappy derrière. J'attends de voir ce qu'il fait. Il va sûrement mettre son géant sur le même côté. J'espère qu'il a pas de boule de feu. Ça serait bizarre quand même qu'il ait flèche, boule de feu, gel. Ça ferait beaucoup. Ou une roquette. Alors là ça serait vraiment la catastrophe. Je vais mettre mon sorcier. J'espère vraiment qu'il n'ait pas d'autres sorts. Bon, sinon, je suis vraiment dans le mal. Ok, je vais mettre mon sorcier. Je vais mettre mon prince ténébreux. Ah, je crois qu'il a pas de sort. Ok, je mets mon sort de rage. C'est parti. Le push, what the fuck. Le zappy qui nettoie tout ça. Le sorcier qui est en train de tout nettoyer aussi derrière. Ok, parfait. Je vais remettre une pompe directement. Le sorcier qui connecte. Un coup. Deux coups. 3 coups, 3 coups, 3 coups de sorcier, c'est pas mal. 1531 PV, c'est largement faisable. Oh, par contre, il a la boule de feu, le gel et les flèches. Juste complètement what the fuck. Ok, donc je vais mettre mon sorcier. Je vais mettre mon prince. Ok, ok. Comment je vais faire? Hop, je vais mettre ma horde sur ça. Ok. Aïe aïe aïe. Je sens mal tout ça, je sens très mal. Ok, j'ai mis un géant. J'aurais dû le mettre de l'autre côté, c'est dommage. Hop, je vais mettre mon sorcier. Je vais mettre mon prince ténébreux pour essayer d'aller chercher la tour. Non, le sorcier s'est pas retourné, le sorcier s'est pas retourné. Du coup, je prends tellement cher sur ma tour. Ok, je vais rage tout ça. Faut que je prenne la tour avec le sorcier. Non, dommage. Aïe aïe aïe, dommage, on commence par une défaite. Ah, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. On va repartir directement en game. Allez, c'est parti. Ok, on se retrouve contre John S pour cette game. Pompe, rage, gang et géant. Du coup, j'ai mis ma pompe. J'attends de voir ce qu'il fait. Il met un poison. Je vais sûrement partir avec mon zappy fond de map. Ok, ouais, je vais partir avec mon zappy fond de map. Il a pas son poison. Je vais sûrement mettre un géant avec un prince ténébreux derrière. Non, 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 non. Je vais mettre mon géant et je vais mettre la horde de gargouille pour aller tuer sa méga gargouille. Normalement, il a pas de poison. J'ai mis un prince ténébreux puis chimiste clic. J'espère que ça me coûtera pas trop cher dans la game. J'espère, j'espère. Ok, du coup, je vais pas forcer. Je vais laisser mon zappy mourir. Aïe, 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 ce petit chimiste clic. Ok, je vais partir avec mon gang sur le côté gauche pour aller tuer sa méga gargouille. Parfait. J'ai ma pompe.
Hop, je vais mettre ma horde de gargouille sur son cheval et plus sa méga gargouille. Je vais rage tout ça. Pour la défense, parfait. Sinon j'aurais sûrement perdu ma pompe et ma tour. Le rage qui est vraiment pas mal du tout. Ok, j'ai le zappy, prince ténébreux, géant et sorcier. Je vais partir avec mon zappy du côté de ma tour la plus affaiblie. Ok. Il a un bouliste aussi. Aïe aïe aïe. Il a une Tesla, un bouliste. Comment je vais faire pour passer? Je vais mettre mon gang sur le côté gauche, histoire de cycler et de récupérer ma pompe. Il met des archers. Ok, parfait. Je vais mettre ma horde ici pour que... pour que mon zappy il aille tuer son bouliste peut-être. Ah dommage. Pourquoi il a mis un cimetière? Oh la grosse erreur de sa part. La grosse erreur. Du coup je vais pouvoir continuer mon attaque tranquillement. Il doit encore défendre les minions. Il va sûrement laisser tirer du coup. Enfin laisser taper, laisser tirer. Des minions ils tirent maintenant. N'importe quoi. Ok, je vais mettre mon zappy ici. Je vais remettre une autre pompe. Parfait, vu qu'il doit arrêter ce push, il a pas vraiment le choix. Il va se faire 3 couronnes. Enfin il va perdre sa tour. Ok, parfait. Il doit encore défendre. Je mets mon sorcier ici, je vais reconstruire directement une attaque. Je mets mon sorcier, je mets mon géant. Je mets ma horde pour son bouliste. Je mets mon gang pour son cimetière, s'il met un cimetière. Il met pas de cimetière, d'accord, je vais juste partir avec mon prince ténébreux. Avec mon gang. Et avec un petit sort de rage. Avec un peu de chance, ça va passer. Ça m'a l'air pas mal parti. Oh, le push, il dit super combat. Je mets un autre géant et c'est la win. Très belle win. Ça fait plaisir, contre un deck assez compliqué. Il avait la Tesla, il avait le bullis qui m'embête pas mal, il avait les flèches pour ma horde, le poison pour mon sorcier, pour mon gang, chevalier archer. Non franchement, un bon petit match. Allez, on repart directement en game. Ok, on est reparti en game, donc contre Novatali de Vietnam Glory. Donc si vous ne connaissez pas ce joueur, c'est tout simplement un des meilleurs joueurs vietnamiens. Il est allé au CCGS, il a fini 3ème, 4ème. CCGS World, je parle bien des Worlds, car il avait gagné les CCGS de sa région. Un joueur juste impressionnant qui crée des decks assez fous. Ça risque de donner un match intéressant. Ok, donc il a très bien joué. Qu'est-ce que c'est que son deck? Un deck cochon tombstone? Intéressant, avec des esprits de feu, très intéressant même. Je pars avec mon zappy fond de map du même côté sur lequel il a attaqué. Il a plus sa tombstone pour défendre. S'il met son cochon, le zappy va tout simplement le tuer. De l'autre côté, j'ai le gang qui est prêt. Ok, je vais sûrement partir en géant hors de garouille et pas me louper cette fois-ci. Pas mettre un prince. Ok, je vais mettre mon géant au dernier moment. Je vais mettre mes gargouilles. Parfait. Qu'est-ce qu'il a pour les tuer? Un sorcier de glace, ça m'embête un peu. Ok, il a loupé une gargouille, là, la gargouille tue tous les squelettes avant que le zappy tire. Ah, dommage. Ça aurait été énorme. Oh, parfait, le zappy a quand même... qui est quand même allé tuer le sorcier de glace. Oh, le zappy qui remet un coup sur la tour. C'est quoi ce zappy? Juste incroyable. Juste incroyable. Du coup, il y a une méga gargouille qui arrive sur la tour. Je vais mettre mon gang de gobelins et un prince ténébreux pour aller tuer tout ça. Oh, je vais prendre un coup de cochon. C'est parfait. Ça me va, il doit encore défendre. Non, il va le laisser. Il va sûrement laisser ça. Ok, il met un sorcier de glace. Son sorcier de glace qui a pris un coup, c'est parfait. Ok, donc je vais remettre une petite pompe fond de map. S'il prend ma tour, je pourrais essayer de reconstruire une attaque et aller chercher sa tour avec mon avantage en élixir de la pompe. Donc, j'ai mon sorcier qui est prêt. Ok, je vais mettre mon sorcier pour tuer tout ça. Un canon. Oh parfait, le sorcier il fait un taf. Oh dommage qu'il ait pas tiré le dernier coup. S'il avait tiré le dernier coup, j'aurais pas pris de dégâts. Et là, je perds la tour, je pense. Ok, je perds pas la tour. Ça va. Ok, je vais mettre mon zappy ici. Je vais mettre mon gang et mon prince ténébreux s'il met un cochon. Je vais essayer de pas prendre de coups. Ok, parfait, je prends pas de coups. Et en plus, ça va aller tuer la tombstone. C'est juste parfait. Vraiment la situation idéale. Ok, je vais mettre mon géant au milieu. Ça commence à devenir du grand n'importe quoi ce push. Hop, je vais mettre un sort de rage. Je vais mettre mon gang de gobelins. On met tout. Le zappy. Oh, le zappy catch. Qui a tiré sur la tombstone, je crois, il allait tirer sur la tour. Ok, je mets mon prince ténébreux pour lui mettre un max de pression. J'ai ma horde de gargouille qui est prête. Ok, je vais la mettre au milieu, faut aller chercher la tour maintenant. Oh là là, cette game c'est du grand n'importe quoi.
Ok, je mets mon sorcier au milieu aussi, on met tout au milieu. Bon, ok, je vais me calmer, je vais me calmer. Vu que j'ai aucun sang pour aller faire des dégâts, faut que je me calme. Ok, je vais mettre mon zappy ici. Alors, va falloir que je construise une petite attaque pour aller finir sa tour. Faut que je fasse attention quand même, parce qu'avec un cochon plus une canon de carte, ça peut aller très très vite. Qu'est-ce que je disais? Il essaye. Malheureusement pour lui, ça ne passera pas, je m'y attendais. Je vais mettre une horde de gargouilles pour aller tuer ça. Aïe aïe aïe, les très bons esprits de feu. Oh, oh la value qu'ils viennent de faire. Le zappy qui va peut-être tirer sur la tour? Le zappy? Oh dommage. Ok, je vais mettre mon sorcier ici. Je m'attends à avoir sa canon de card. Je vais remettre un zappy fond de map vu qu'il va sûrement me snipe mon sorcier. Aïe aïe, j'espère qu'on va pas vers l'égalité là. J'ai aucun sort pour finir sa tour. C'est catastrophique. Ok. Oh! Le sorcier casse splash! J'ai pas vu! Le sorcier casse splash, le sorcier de glace! Oh magnifique! Du coup, si vous avez pas vu, le sorcier il a tout simplement touché. Je vais vous montrer, je vais vous montrer en replay, je vais vous faire une petite coupure, je vais vous montrer le replay. Bon, du coup, on se retrouve. Alors, il a mis sa canon de cards, il a mis son cochon. Moi j'étais focus sur son push. Et regardez le petit sorcier en filou. Il a juste splash la tour avec, avec sa boule de feu. Magnifique. Du coup, encore une victoire. Donc sur cette vidéo, on est à deux victoires, une défaite. La première défaite avec un match-up, franchement, c'était hyper compliqué. Triple sort. Le bébé dragon qui est très chiant. Le cimetière qui est très compliqué à défendre vu qu'il a triple sort. J'avais pas de poison, j'ai aucun sort pour le défendre. Il a juste besoin de mettre ses sorts. Deuxième match-up assez compliqué, mais j'en suis très bien sorti. Et troisième game, franchement, on s'en est super bien sorti contre un très très gros joueur. Bon allez, on repart directement pour une autre game. Peut-être la dernière, on verra bien. Ok, du coup on est contre Jay Hardway, donc je joue Zappy, Horde de Gargouille, Sorcier et Rage. Enfin G, ma main de départ, c'est ça. Qu'est-ce que je raconte, je joue. Ok, il est en full BM. Alors les émotes squelettes, franchement, je les trouve incroyables, comme les émotes cochon à sa sortie. Je me régale tout le temps avec. Donc, je vais mettre un petit Zappy fond de map pour commencer la game. C'est pas commun, mais c'est pas grave vu que mon cycle est un peu pourri. Ah, ça c'est direct problématique. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien? Que je mette un prince ténébreux, on va accompagner nos gobelins pour lui mettre un max de pression. Ok, il a des barbares, c'est bien joué. Aïe aïe aïe, il a une horde de gargouilles aussi. Quel est ce deck? Ce deck géant royal. Je sais que vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais je pense que les decks géants royaux, vous aimez pas trop ça. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ça vous fait tilt en ladder. Je pense. Ok, du coup, je vais partir avec un sorcier fond de map. Je sais pas trop pourquoi il est content, peut-être qu'il me connaît, ça lui fait plaisir de jouer contre moi, je sais pas. On va éviter de mettre un rage dans le vide, je préfère mettre une petite pompe. Alors je vais mettre ma pompe. Normalement il a pas ses gargouilles dans son cycle, j'espère qu'il a pas d'esprit de feu. Ok, donc je vais mettre un zappy pour défendre son géant royal. Normalement il aura pas assez. Ok, je vais mettre mon zappy directement. Et je vais partir directement en contre-attaque dès que son géant royal sera mort. Je l'ai mis un peu loin mon zappy. Aïe aïe, j'espère qu'il n'y a pas zap. Ok, parfait. Parfait, parfait. Donc je vais pouvoir contre-attaquer. Je vais mettre mon géant, ma horde de gargouille. J'attends qu'il mette. Ok, je vais mettre ma horde de gargouille dès qu'il met ses gargouilles. Maintenant. Il met pas ses gargouilles. Ah, il a mis des barbares. Ok, je mets mon sort de rage, le sort de rage. Parfait. C'est en train de passer tout droit. Parfait. Je vais directement remettre une pompe dans le fond. Oh, le zappy qui va tirer. Le zappy il va mettre deux coups sur la tour du roi s'il défend pas. Parfait, je crois qu'il a peut-être abandonné. Non, il a pas abandonné. C'est bien, il faut jamais abandonner. Ok, je vais mettre mon prince ténébreux. Plus le sorcier pour défendre le géant royal et les gargouilles, c'est parfait. Ah, et le sorcier qui loupe la gargouille depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Ok. Hop, je vais mettre mon petit sort de rage ici. Je vais mettre mon gang de gobelins. Mon autre prince ténébreux. On va vers les trois couronnes. Les trois couronnes, et c'est les trois couronnes, magnifique. Ah, ça fait plaisir. Ça fait grave, grave, grave plaisir. Allez, on va en faire une petite dernière pour la route. Que ce soit une victoire ou que ce soit une défaite, franchement, ça aurait été une super bonne vidéo. Pour tous ceux qui aiment les decks un peu what the fuck, Giant Sparky, super fun à jouer. C'est vraiment super, super cool à jouer. Allez, c'est reparti. Ok, donc on tombe directement contre un joueur encore une fois.
Japonais, chinois, coréen. J'irai chinois cette fois. Ok, donc j'ai la pompe, le gang, la rage et le sorcier. On va lui dire bonne chance avec la petite émote qui fait plaisir. Allez, je mets ma petite pompe. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça me fait pas plaisir. Voir un sort de foudre. Je peux m'attendre à pas mal de decks avec un sort de foudre. Et le sort de foudre qui va m'empêcher d'utiliser ma pompe correctement pendant tout le match. Ok, j'ai parti avec mon sorcier fond de map. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Un bébé dragon, donc ça ressemble en plus à un deck golem. Aïe 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 aïe. Je vais mettre mon géant ici pour tanker, parfait. Je vais sûrement partir avec Ouais, je vais mettre des minions et je vais mettre mon rage, je pense. Je veux voir s'il a des flèches. Non mais il a une tornade, c'est pareil. Aïe 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 aïe. Bon, du coup, je vais pas forcer, je vais laisser ça comme ça. Il a utilisé sa bûche. J'ai une idée. Je vais mettre la petite emote qui montre que l'on a une idée. Cette emote, elle tue. Du coup, je vais mettre mon petit prince ténébreux. Ouais, là c'est sûr. Je vais mettre mon prince ténébreux, je vais mettre mon gang pour défendre ça. Et je vais mettre un sort de rage, je pense. Regardez-moi ce sort de rage. Regardez-moi ce sort de rage. On gratte, on gratte, on gratte. Les gobelins lancent, les gobelins lancent. Il est obligé de racheter une bûche. Et le prince ténébreux qui a mis un coup sur le sorcier, c'est parfait. Le bon petit sort de rage qui a fait plaisir. Oh, j'ai mis tellement de dégâts avec deux gobelins à lance. 1300 de dégâts, n'importe quoi. Ok, je remets une pompe dans le fond. Il va sûrement la foudre encore une fois. Vu qu'il a pas son cochon pour attaquer. Donc le joueur en face qui joue aussi un très très vieux deck. Le deck cochon, boulisse foudre avec la tornade, le bébé dragon, etc. etc. C'est vraiment un très vieux deck. Un match-up très compliqué pour moi. Ok, je vais mettre mon Zappy fond de map. Il a utilisé sa foudre donc il a pas pour tuer mon Zappy. Faut que je fasse attention à son bébé dragon. Il va sûrement mettre un bébé dragon. Ok, je mets mon sorcier pour répondre à son bébé dragon. Je vais mettre ma horde de garou sur ça. Je vais mettre mon géant pour protéger mon Zappy. Il va sûrement tornade tout ça. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ouf! Ça a connecté. T'as mis un coup. Ok, je vais tout mettre, je vais tout mettre. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais on essaye, on essaye. Oh, ça connecte, le prince des bruits qui connecte aussi. Ah, c'est magnifique, on va chercher la tour. C'est vraiment magnifique. Ah, ça fait grave plaisir. Ah, je vais mettre un petit sorcier en défense, je vais mettre la horde de gargouille vu qu'il va mettre une foudre. Et parfait, c'est la win. Ah, c'était win qui est vraiment magnifique aussi. Ça fait grave plaisir. J'aurais fait, j'irai 4 victoires et une défaite dans la vidéo. J'aurais mal commencé, mais je me serais super super bien rattrapé. Du coup, je vais vous montrer encore une fois les match-up. Du coup, j'aurais joué en premier contre le géant cimetière avec la sorcière de la nuit, flèche, boule de feu, etc. etc. Un deck bullish control avec le cimetière. Un deck cochon, donc joueur Novatali qui est juste incroyable. Un deck géant royal. Ça s'est super mal passé pour lui. Ah, malheureusement, il avait sorcier de glace 12 et bûche 11. Donc c'est compréhensible qu'il joue géant royal qui est une carte commune. Et ensuite, j'ai joué contre ce vieux deck, un de mes decks préférés à l'ancienne. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. J'ai quasiment atteint les 6100 trophées. Je vous rappelle qu'on approche de la fin de saison. Merci à tous d'être passés sur la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde!